Bienvenue dans Train Sim World 2, une simulation ferroviaire hautement réaliste, comprenant des circuits et des trains authentiques venant du monde entier. Vous venez de recevoir quelques points d'action. Ceux-ci sont affichés dans le coin supérieur droit de l'écran et comptent pour votre expérience globale. Il est important d'être particulièrement attentif à votre environnement. Entraînez-vous en regardant en haut, en bas, à gauche et à droite. Même hors des trains, il existe plusieurs règles à suivre lorsque vous êtes à pied. Commencez par vous déplacer. Ceci est une des nombreuses interactions à découvrir, mais elles ne seront pas toutes aussi faciles à trouver. Montez à bord et prenez place dans la cabine aux côtés des conducteurs. En pause à tout moment et passer en revue les précédents objectifs ou ceux en cours. Essayez dès maintenant, puis retournez dans le jeu lorsque vous êtes prêt. Vous passerez beaucoup de temps à piloter. Lorsque vous serez prêt, prenez place sur le siège du conducteur. Un affichage est apparu à droite de l'écran. C'est une indication sur les actions du train en cours. Voici l'affichage de la vitesse. L'aiguille blanche indique la vitesse actuelle. Le marqueur rouge désigne la vitesse maximale autorisée. Ceci est l'affichage de la direction. Une flèche indiquera les directions avant, arrière et neutre. Ceci est l'indicateur de puissance. Un nombre indiquera la position dans laquelle se trouve le contrôle de puissance. Ce sont des indicateurs de freinage. Ils affichent l'état des divers systèmes de freinage, permettant de les gérer de façon indépendante. En haut à droite, vous trouverez les indicateurs de signaux et de limitation de vitesse. Ils vous indiquent ce qui est en approche et la distance où cela prendra effet. Certains de ces affichages peuvent être masqués via le menu des paramètres pour une expérience plus intense. Ce train est prêt à partir. Poussez la poignée indiquée vers l'avant pour le mettre en route. Cell Patch Grade vous offre la possibilité de contrôler de lourds et puissants trains de fret sur l'une des lignes les plus époustouflantes et les plus célèbres d'Amérique. Vous êtes à bord d'une locomotive AC4400CW. Ce sont les trains les plus performants de Cell Patch Grade, et CSX Transportation en possède plus de 600. Train Sim World vous permet de monter à bord et de conduire des trains à partir d'une sélection d'angles de caméra intérieure et extérieure. Jetons-y tout de suite un œil en explorant l'extérieur de ce train. Passer de la vue interne à la vue externe en appuyant sur le joystick droit.
n'avez exploré qu'une petite zone. Voyons ce qu'il y a d'autre à apprécier ici. Bienvenue en Pennsylvanie. Au-delà des monts Allegheny, St. Patch Gray est un lien vital dans l'immense réseau ferré de CSX. Prenez les commandes de puissantes locomotives de fret américaines opérant à partir de la vaste installation du triage de Cumberland. Que le soleil brille, qu'il y ait une pluie ou une tempête de neige, c'est à vous de garder le trafic ferroviaire en mouvement. Frayez-vous un chemin sur l'une des pentes les plus escarpées de la côte Est. Au cours de votre itinéraire, n'oubliez pas de placer des affiches de sécurité, récupérer les casques perdus, installer la signalisation.